Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention, c'est juste pour vous montrer la reine d'un frelon asiatique. Donc j'ai fait une intervention, j'ai récupéré la reine, donc là je vais vous la montrer, je vais zoomer dessus, je vais prendre quelques photos, vous mettre ça. La reconnaître par rapport à un nid de frelon, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Mais au moins, vous allez bien voir et vous expliquer comment elle est. Et après, je vous montrerai un frelon classique à côté. Petite vidéo, les Dédés, pour vous montrer la reine. Voilà, sur une intervention, on a attrapé une reine. J'espère que les images ne seront pas trop floues. Donc, je vais vous montrer l'arrière de la queue. Vous voyez la reine d'un frelon asiatique. Vous voyez, c'est tout noir et il y a à peine un peu de jaune au fond. Elle est encore vivante. Hein. Allez, dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour aux internautes. Ah, t'es pas contente, hein? Ouais, c'est quand même magnifique une reine. Hein. Vous voyez, on est au mois d'octobre, je viens d'attraper encore un nid avec une reine. Donc ils ne sont pas encore en hibernation. Hein. On va remontrer la queue. Vous voyez ce jaune, juste une petite bande jaune, bien lisse. On va la ranger dans sa petite boîte et on va la garder comme trophée. Allez. Tu te dis à bientôt les Dédés. Allez, elle vous dit à bientôt les Dédés. Voilà la différence avec un frelon, une reine et ça c'est une ouvrière. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus petit. La queue est moins noire, un peu plus de jaune. Bon là, celui-là il est mort. Donc, je ne sais pas si vous voyez d'en bas, on voit le dard sorti. Voilà les Dédés, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, cette petite explication sur les frelons asiatiques. Donc n'oubliez pas d'aller sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne, partagez, faites des commentaires, le petit pouce bleu, et je vous dis... à très bientôt les Dédés.